Puisque nous connaissons que entre l'école là, grand pile parents, grand pile mères de famille qui ont une situation difficile. Habituellement, CAS, chaque année, dans l'entrée des classes, toujours les parents ont un accompagnement. Et aujourd'hui, nous avons décidé pour que nous fassions une distribution pour tout, pas seulement pour bénéficier de CAS, mais tout le monde qui vient sous la couche CAS aujourd'hui. Quelle catégorie de monde vous servez aujourd'hui? Bon, nous servons handicapés, nous servons vieillards, nous servons jeunes. Nous servons femmes en difficulté ou bien femmes chefs de ménage. Donc c'est tout le monde qui vient sous la croix. Aujourd'hui, nous servons. Quelle quantité de monde nous servons? Bon, aujourd'hui, nous prévoyons pour nous servir 7000 personnes. Tout le reste, nous avons servi à travers la direction départementale ou du moins représentant que CAS gagne dans divers départements du pays. Quelle quantité de monde nous servons en général pour le programme ça? Le programme ça, nous avons servi 17000 personnes environ. Oui, nous connaissons CAS là, pour le programme. Ce n'est pas seulement dans Port-au-Prince et tout le reste de la ville de province. Comment on fait? Non, nous avons des représentants dans les 10 départements et puis le ministère des Affaires sociales a des directions départementales. Donc, côté n'a pas touché, on a fait à travers la direction départementale, le ministère là, et dans la direction SAO, CAS, il y a des représentants là-dedans. Maintenant, nous voulons aller plus proche de la population, les gens qui sont en situation difficile, les gens qui ont plus de problèmes. Nous identifions ces zones, côté qui ont plus de problèmes, et c'est là qu'on a intervenu. Mais en général, au niveau CAS, quelle quantité de kits vous avez là en termes de matériel? Moi, j'ai environ 17000 kits scolaires. Donc, nous avons 7000 dans CAS aujourd'hui. Et reste là, nous pourrons aller à travers les autres départements. Quel est le programme ça fini? Bon, par contre, qu'il est, mais toute semaine prochaine, on va continuer avec la distribution. Parce que aujourd'hui, on a fini tout le monde là sous la croix. Là, nous finis, on va continuer avec la distribution pour que les gens soient capables de reprendre le chemin de l'école. Parce que, pas oublier, le gouvernement a fait un pile effort pour que vous voyez les gens à l'école. Et il y a un pile de monde qui est à l'école gratuitement, etc., qui n'est pas payé. Mais nous croyons que CAS est capable d'avoir un accompagnement parce que le ministère des Affaires sociales est un ministère transversal. Nous pensons que faut qu'au moins tout le monde mette main pour que tout le monde soit capable d'aller à l'école. Vous pensez ou toucher les couches qui plus nécessitaires? Bon, si vous regardez des gens qui étaient sous la croix, des handicapés et des vieillards, des gens qui ont dit qu'il y a 3 personnes, 4 personnes, vous voyez que nous entrons dans la matrice de la population, les gens qui sont plus malheureusement nous. Vous avez des gens qui sont plein tout quand même. Qui est 3 petites, qui viennent seulement à l'école. Bon, nous ne pouvons pas si nous avons chaque monde 3, 2, il y a des gens qui ne peuvent pas jouer. Le principe, c'est que nous avons une. Donc, si vous avez 3 petites, au moins, vous avez un sac pour les gens à l'école. Et dans ce sac-là, il y a des cahiers, des plumes, des crayons, des règles, des crayons de dessin. Donc, cela permet que si vous avez 3 petites, au moins, vous avez un soulagement dans un sac. Avec tout le cahier pour les gens qui ne peuvent pas aller à l'école.